Et yo tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour le bras de fer de la semaine sur Hearthstone. Et aujourd'hui, tous unis contre Mechazod, et pas Megazod. Alors pour nous vaincre le maître des rouages Mechazod, donc le robot le plus puissant du jeu probablement, donc cette fois-ci on va pas jouer contre un adversaire, mais on va jouer avec un adversaire. Et du coup avec nous, on aura Jake. Et bonjour, bonjour tout le monde. Et voilà, donc avec Jake, on va essayer de venir à bout de ce Mégazord. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Enfin, c'est Et moi que t'as choisi comme adversaire quand même. non, comme allié, du coup, pas comme Oui, comme allié. adversaire. Nous sommes unis contre la société de fer. Contre le petit Mégazord. Voilà, le bras de fer, hein. Donc un prêtre et un paladin qui jouent ensemble. Il n'y en a pas le Parfait, choix d'accord. des classes apparemment. Non, c'est toujours paladin et prêtre cette semaine. Alors, tu vas m'aiguiller un peu. J'ai un protecteur d'argent, une bénée de puissance, un sceau des champions. Est-ce que je garde, est-ce que je retire? Protecteur d'argent, Oh, tu peux tout garder. Ok. Ouais, garde tout. Parce qu'évidemment, on est beau être allié, on ne voit pas les cartes que chacun pioche. Tout à fait. Donc voilà l'entrée en scène de Mechazod. Donc un monstre, 2 points d'attaque et 95 points de vie. Hein. Ça va être assez Heureux de difficile vous d'en rencontrer. venir à bout. Hop. Donc heureux de nous rencontrer. Hein. Jake, évidemment, on va lui Félicitations. renvoyer l'appareil. Hop. Voilà, donc là, Mechazod qui joue une fois à la fin de chaque tour. Enfin, à la fin de chaque tour, donc de Jake ou de moi-même, et qui utilise un sort spécial. Donc là, c'était assassiné, il l'a utilisé dans le vent, donc tant mieux, on va pas s'en plaindre. Et là, salve de bombe. Hein. C'est sort qui lui est atypique, qui balance trois tonneaux, un peu à la manière du bombardier fou, et les tonneaux font les dégâts de l'attaque du Mechazod, donc pour l'instant, deux. Je dis bien pour l'instant parce que vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Place à Jake de jouer. Ouais, mais je peux pas faire grand-chose. Ok. Pas de soucis. Donc là, il joue assassiné. Pour l'instant, on a de la chance sur ce qu'il joue parce que ça aurait pu être. Donc là, voilà, ça te heal un petit coup, le croc zombie, vu qu'évidemment, je considère quand même que Jake est mon adversaire. Donc. On peut le faire piocher et le heal grâce aux cartes qu'on aura dans le deck. C'est quand même étrange comme bras de fer parce que j'aurais pensé qu'en allié, on était tous les deux sur le même plateau et que l'autre gros robot serait en face. Moi aussi, je pensais pareil, mais en fait, non, je pense que c'était peut-être pas réalisable. Mais bon, là, c'est mieux comme ça parce qu'au moins tu peux jouer avec l'effet des cartes telle carte donne telle chose à votre adversaire. Alors pour info, je viens de piocher un chroniqueur chaud. Vraiment bien. Ah, ça marche. Le chroniqueur chaud, tu peux le poser si tu veux, parce que le Mechazod a une carte spéciale. C'est tuer le chroniqueur chaud en fait et qui tue le chroniqueur chaud. Mais du coup, s'il le joue, c'est bien. Au moins, il ne reboostera pas son attaque de 2 comme il vient de le faire là. Donc, ça nous arrangerait qu'il tue le chroniqueur chaud sur le tour. Alors, Là, joue j'ai. pas tes bénis. Voilà, c'est ce que Enfin, j'ai à te jouer, joue. demander parce que j'ai une bénédiction de puissance, j'ai une bénédiction de sagesse et j'ai une main de protection. Non, non, tu gardes tes bénés et tu tapes pas avec ta 1-1. Comme ça, s'il fait les tonneaux, on peut espérer que le tonneau tombe sur la recrue de la main d'argent. Donc D'accord, là, fin juste, du tu tour. passes. Exactement. Donc, assassiné. Et il assassine l'oracle froid de lumière. Moi, j'ai le choix de jouer épée dansante ou golem arcanique. Donc, l'épée dansante qui te fera piocher. Golem arcanique qui donne de la mana. Je vais plutôt opter pour l'épée dansante pour que tu pioches le plus rapidement possible toutes tes bénédictions et tout. Donc Oh. voilà, donc là, la carte dont je te parlais, détruire le chroniqueur chaud. Vraiment classe. J'aime beaucoup l'image de cette carte. Et donc le chroniqueur chaud est détruit, mais au moins le Mechazod n'a rien fait d'autre ce tour. D'accord, alors dans Donc ma là. main j'ai Fiola Plaie Lumineuse, Ouais. un vendeur de rafraîchissement, un Ouais. protecteur d'argent, et après Ouais. c'est des buffs.
Il coûte pas 5 le truc, plus 4 à chaque personne? La Non, 3-5 là? elle coûte 4. Ok, bah tu la gardes du coup. Non, bah là, tu mets la légendaire, Ok. la jumelle de l'épreuve des croisés, hein, dans World of Warcraft évidemment. Ouais, et j'utilise toujours pas de buff. Non, là tu fais rien. Hein, je t'ai dit, enfin, comme Ok. je t'ai dit avant, c'est on attend qu'il y ait les Trog Mashrock plus Milice Tempête de Mana. Bah, le double zap, c'est avec ça que le mecha Zod risque de nous tuer, donc qui inflige les dégâts de l'attaque du méga Zod aux deux joueurs. Et ça combo très bien avec son autre sort qu'il utilise normalement assez souvent, là on a de la chance, il l'a pas beaucoup utilisé, qui augmente de 2 son attaque. Donc voilà, ça fait tout à savoir sur le méca Zod. Donc là je vais balancer mon épée dans le méca Zod, comme ça Jake va piocher une carte, et mon adversaire, selon les cartes. J'ai pioché un vendeur de rafraîchissement. Là-dedans, dans la partie, il est mon allié. Ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Je pense que j'ai envie de. Ouais, de Lumière des Narus. On doit choisir vite. Au nom de la lumière. J'ai Lumière des Narus aussi. Je vais me soigner comme ça nous fait deux. Je vais remonter au fil des tours s'il ne les tue pas. Donc là, je te conseillerais de faire le vendeur de rafraîchissement, comme ça, ça va booster mes gardes lumière et ça va nous remonter tous les deux à 29 PV. Un vendeur de rafraîchissement donc. Hop. Donc voilà. Là, le vendeur du rafraîchissement, comme il a les deux personnes, donc Jake et moi-même. Du coup, mes gardes lumière sont boostés, évidemment. Et là, Alors. non, les buffs toujours pas. Hein. Bon, ok, d'accord. On garde les buffs pour les trogs. Il faut juste que je pioche et que tu pioches assez de cartes. D'accord. Tu pourras jouer une carte, enfin un sort, quand à la limite, tu Laissez-moi dois te vous jouer. discard si tu ne la jouais pas. Quoi, si tu avais déjà une carte dans la main. Mais sinon, Compris. faut que tu les gardes. Du coup là juste on passe, voilà il gagne 2 attaques, ce qui est pas spécialement embêtant. Donc là t'as 8 cartes. Du coup j'ai l'oracle froid de lumière mais je vais pas le jouer. Alors je vais jouer l'amasseur de J'ai de butin besoin. et le golem arcanique, comme ça va t'augmenter ton. Comment ça s'appelle? Ta réserve de mana, j'y arrive. Et je vais aller taper avec mon golem arcanique, du coup, dans le Mechazod. Et passer mon tour. Je garde les gardes lumière au cas où on heal encore plus et du coup qu'on puisse lui faire beaucoup plus mal. Je viens de piocher Donc là, il refait Stalag. son double zap. Ok, t'as pas du heal là à tout J'ai hasard? un prophète cercle terrestre. Ok, bah mets-le sur toi ou sur moi, n'importe. Comme ça, on va essayer Sinon, de j'ai aussi un boost. vendeur de rafraîchissement. Bah, fais le vendeur de rafraîchissement. Mais il coûte 4, non? Bah, du coup, tu peux jouer les deux. Ça va booster les gardes. Et du coup, tu peux faire le prophète sur toi ou sur moi, n'importe. Comme ça, l'un des deux sera à 30 HP. Son grand Hop. ouvert. Et donc sur moi. Mais du coup, tu passes ton tour et on espère qu'il tue pas les gardes lumière Ouais. sur ce tour-là. Ah quoi que tu peux attaquer avec Ah, le. trop tard. Donc il double zap, c'est le mieux qui pouvait nous arriver. Hop. Parce que là on a commandant du fief, du coup on va pouvoir utiliser deux fois le pouvoir héroïque. Et ainsi booster énormément les gardes lumière. Et je vais attaquer à ce tour-là pour éviter qu'il les tue. Que bon, ça va déjà lui faire 36 points de dégâts. Ouais, mais On tu vas attaque les avec un perdre. lanceur de. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais l'attaquer avec tes gardes lumière? Oui, parce que là, il peut me les tuer facilement. Si les tonneaux tombent mal ou avec l'assassiné, du coup, je n'ai pas envie de prendre de risques. On a assez de chance sur le bras de fer, là, vu qu'il n'a pas D'accord. énormément boosté son attaque. Donc,
Je préfère ne pas prendre de risques. Donc là, on le passe à 49 PV. On lui a déjà enlevé la moitié de ses PV. Du coup, c'est vraiment... vraiment, vraiment bon. Et on est tous les deux haut en point de vie. Alors, du coup, j'ai un protecteur d'argent en mob et stalag. Bah, joue stalag. Tu tapes... ouais, non, tu peux jouer le défendeur d'argent aussi. Et je mets le, le bouclier sur qui? Bah, sur... de toute façon, ils ont tous 3 d'attaque, donc ça importe peu. Sur une créature qui va attaquer, là. N'importe. Et t'attaques que avec la créature qui a bouclier Liva. Pour pas les perdre. Voilà, sur Piola Play Lumineuse. Et du coup, t'attaques avec, avec elle. Mais pas avec les autres. Donc, il faut essayer de garder le maximum de monstres possible. Et j'ai encore des buffs. Ouais, ouais, je sais, mais t'inquiète pas, j'attends mon Milouz en fait. D'accord, ok. J'attends le Milouz Tempête de Mer. Qu'est-ce que c'est? Oula! C'était quoi ça? Alors, je ne m'y attendais pas. Soit la carte a bug, soit j'ai pas compris. Parce que le assassiné, c'est bien détruisez un serviteur adverse et pas détruisez tout le board de l'adversaire. Mais surtout que là, du coup, il a utilisé assassiné sur toi. Au final, et moi, il m'a clean. Oui, parce que lui, en fait, je pense que le jeu considère que les adversaires de Mechazod sont toi et moi. D'accord. Du coup, ça marche sur les deux. Mais je... Ah oui, c'est vrai qu'il l'a utilisé sur mon commandant du fief, et que ça a clean tout mon board. Ouais. Bon, peut-être un bug de bizarre, peut-être c'est pas encore tout à fait fixe. C'est embêtant, quand même. Du coup, là, on va oracle froid de lumière. Hop. Ah, je sais pas si on peut. Ah, je sais pas, j'hésite. On va championne sacré et on va essayer de le tuer dans 2 tours. Jouer, parce que là, j'ai mes 2 Trog, Mashrock, Mastok. Du coup, je vais les jouer et tu vas les buff le prochain tour. Donc là, il a 10 d'attaque. Le maximum qu'il puisse nous mettre, c'est 30. Mais c'est avec les 3 tonneaux, il faudrait que les 3 tonneaux touchent la même personne. Ce qui est assez peu probable. Ok, alors là, j'ai un mini-robot blindé, les épées dansantes et des buffs. Go, épée dansante et mini-robot blindé. Tu demandes. Là, tu gardes tes sorts parce que je vais jouer mes 2-3 go prochain. Ok, donc là, je token. C'est ça. Très bien, donc là il nous a mis 10 à chacun. Pas un souci, il peut nous remettre 10 après. Spécialement grave. Comme on a dit, on va jouer les 2 trocs. On va taper avec l'oracle et juste avec l'oracle. Et on va fin du tour. Très bien. Donc là il a détruit les épées dansantes. Ce qui me fait piocher. Détruit. Enfin, systématiquement, la créature avec le plus d'attaque. Ok, donc là, je vais buff tes trog. Oui, attends, bénis-moi, quel buff tu as exactement? Béné de puissance, saut des champions, béné de sagesse, main de protection, béné des rois, béné du champion, béné de puissance. Ah, t'as pas le truc qui double l'attaque mon machin qui double attaque d'un serviteur, si, ben des champions. Ah, si. Très bien. Donc, tu mets deux. T'as 2 bénés de puissance, là, on est d'accord? Oui. Du coup, tu mets les 2 bénés de puissance sur un trog. N'importe lequel. Ensuite, tu lui mets le saut des champions et tu lui doubles son attaque. Et tu claques la béné de protection sur l'autre trog. Attends, je double son attaque là direct? Oui. Et je suis à 0 mana. Pour la main de protection. Ouais. Hop. Voilà, et tu tapes. Très bien. Bon, bah là, on a gagné. Vu qu'il nous fait 3 de dégâts, j'ai un trog à 40 et un à 11. Et du coup, c'est la victoire. Nickel. M. Putain, tu t'as. L'héroïque, quoi. Ah oui, c'est...
Le deck, il est spécial quand même. Et du coup, le coup à Karok de mon prog. Et c'est la victoire sur le Pekazone. J'ai. Voilà. Ouais, j'ai. J'avoue parce que ce bras de fer, c'est vraiment le plus compliqué qu'il y a depuis le début de la sortie des bras de fer. Vu que là, on a eu de la chance parce que Mekazod n'a pas été beaucoup aux dégâts, si on peut dire. Il n'a pas beaucoup augmenté son attaque, donc ses doubles zaps ne faisaient pas spécialement de dégâts. Mais sur les autres games que j'ai fait, ça ne se passait absolument pas comme ça. Donc là, on a bien géré et tout. Ça s'est plutôt bien passé, à part l'assassiné, enfin, l'assassiné qui a détruit tout notre board. J'ai pas compris. Mais voilà, donc pour résumer, pour ce bras de fer, il vous faudra jouer autour du combo avec les trogs, vu que le prêtre a aussi un Milou Tempête de Mana dans son deck, qui réduit le coût des sorts adverses à zéro. Du coup, le combo, c'est de jouer un trog Mashrock ou alors Trogzor le Terminator, qui est la légendaire, donc qui invoque des trogs à chaque fois que l'adversaire joue un sort, et de buffer les trogs, vu que nos sorts coûtent 0 de mana, donc on garde tous les sorts en main, et on buffe le trog, il peut monter jusqu'à des montants astronomiques d'attaque, hein, 200 d'attaque au moins, et on finit le Mechazod comme ça, le tout est de survivre jusqu'à avoir la combo, donc comme la plupart des decks combo. Donc voilà, c'était Trimano et Jake, du coup, pour le bras de fer de la semaine, en espérant que ça vous aidera à vaincre Mekazod. À la prochaine.